عليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Désolé pour le retard. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما سلام. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode pour parler des noms d'Allah. Donc, je remercie Younes d'avoir accepté mon invitation pour parler des noms d'Allah chaque semaine. Donc, on a déjà fait deux épisodes. On avait parlé du nom Ar-Rahman et le nom Allah. Et ce soir, on parlera du nom Al-Malik. Donc, je laisse la parole à mon ami, mon frère. Et en deuxième partie, Inch'Allah, on prendra quelques questions, mais pas seulement à l'écrit, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله mes frères et sœurs, c'est un honneur de se retrouver encore pour parler d'Allah Ta'ala. Et lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal, forcément c'est un sujet qu'on évoque qui est bien plus grand que nous, et c'est toujours avec un cœur humble que on doit s'asseoir, se poser et espérer d'Allah Ta'ala qu'il illumine nos cœurs et qu'il nous permette de nous orienter vers lui et de laisser nos cœurs se remplir de sa connaissance, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose plus grande qui puisse être donnée à l'être humain que la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, et plus on va l'aimer, plus on va le craindre de manière révérentielle, plus on va placer notre confiance en lui, plus on va faire de lui notre objectif, celui pour lequel on vit. Et le but de l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est de les intégrer dans notre vie. On a parlé du nom d'Allah, Allah. On a déjà évoqué aussi les noms Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et aujourd'hui, nous évoquerons, Inch'Allah Ta'ala, le nom Al-Malik. Donc, Allah Ta'ala dit dans son livre, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir rahim, Maliki yawmiddin. Ou bien Malik Yawmiddin. Donc Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Ar-Rahmanir Rahim. On a déjà expliqué ces deux noms.
Malik Yawmiddin ou bien Malik Yawmiddin. Malik, c'est le détenteur du jour de la résurrection. Et Malik Yawmiddin, c'est le roi du jour de la résurrection. Et les deux nous ont été rapportés de manière sûre et authentique. Les deux font partie des versions du Coran. Donc certaines lectures du Coran disent Malik Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, et d'autres disent Malik Yawmiddin, le détenteur du jour de la rétribution. Et ces deux sens se complètent, dans le sens que Malik, roi, est plus large et plus global que Malik, détenteur, parce que le roi, forcément, il détient. Et Allah Ta'ala nous parle de sa royauté dans un autre verset, en attachant les deux, il dit « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ » dit « Oh Allah, le détenteur de la royauté ». Donc Allah Azza wa Jalla, il est détenteur du jour de la résurrection, il est roi du jour de la résurrection, et il est le détenteur de la royauté. Allah Ta'ala évoque son nom Malik dans d'autres contextes. Deux fois, il l'évoque en disant « Al-Malikul Quddus ». Donc le roi, le Quddus, ce sera le prochain nom peut-être qu'on étudiera ensemble, Inch'Allah, le saint, le totalement sanctifié, subhanahu wa ta'ala. Et deux fois, Allah Ta'ala attache le nom de Malik à son nom Al-Haqq en disant Al-Malikul Haqq, la ilaha illa hu, fata'ala Allahu al-Malikul Haqq. Que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah soit élevé le roi véritable, le roi en toute vérité, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il est Al-Malik. Comment on peut se rapprocher d'Allah ta'ala à travers la méditation de ce nom? Al-Malik, c'est un nom qui inspire la révérence, ce qu'on appelle en arabe Al-Ijlal. Allah, il est Al-Jalil et Al-Jamil. Deux noms d'Allah encore qu'on pourra étudier, Inch'Allah Ta'ala. Celui qui inspire la révérence et il est en même temps celui qui est infiniment beau, le créateur de toute beauté et lui qui est la beauté infinie, Subhanahu wa Ta'ala. Allah, lorsqu'il nous dit dans Surat Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, ou bien Malik Yawmiddin, le détenteur, ou bien le roi du jour de la résurrection, du jour de la rétribution, Allah Ta'ala veut provoquer en nous une révérence, une crainte révérentielle d'Allah. Dans Surat Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal alterne entre la crainte et l'espoir. Et cette surat, qui résume le Coran, nous enseigne de quelle manière nous devons vivre. Allah Azza wa Jal nous dit Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, des noms qui invitent à l'espoir. Puis ensuite il nous dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, qui provoque dans le cœur une certaine crainte et révérence vis-à-vis de l'infiniment grand, puissant, détenteur de toutes choses. Ensuite, il nous dit à nouveau Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, tout miséricordieux. Et ensuite, il nous dit encore Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin. Et il nous invite encore à une forme de crainte. Allah Ta'ala, il est Maliki Yawmiddin, mais il n'est pas seulement Maliki Yawmiddin, il est Malikul Mulk. Malikul Mulk, il est le détenteur de toute royauté. Il est le roi des rois dans ce bas monde et dans l'au-delà, mais il précise Malik Yawmiddin ou bien Malik Yawmiddin pour nous dire que au jour de la résurrection, même les plus grands des rois de ce bas monde, même ceux qui refusaient d'imaginer ou de voir qu'il pouvait y avoir autre roi que eux, même les plus orgueilleux, même les pires des pharaons et les plus grands orgueilleux parmi les empereurs qui refusaient
d'accorder avec leur cœur le fait que Allah est le véritable roi, ceux-là, au jour de la résurrection, reconnaîtront que le seul roi est Allah. Donc, il est le roi au jour où nul ne lui disputera la royauté. Il est le roi au jour où nul ne prétendra en dehors de lui à la royauté. Subhanahu wa ta'ala. Et Malik Yawmiddin, c'est ça que ça nous rappelle. Il y a des rois dans ce bas monde, mais le roi du jour de la rétribution, le seul qui mérite que je m'inquiète de ce qu'il va faire de moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite que je me pose réellement la question, qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azzawajal, lorsqu'il nous dit Al-Malik, il nous invite aussi à nous rappeler que c'est lui qui édicte les lois. Le roi, c'est celui qui légifère, c'est celui qui décide. Et donc Allah ta'ala nous rappelle que la législation au-dessus de celle des hommes, c'est la sienne. Et que certes, il y a des législations humaines, mais toute législation humaine qui contredit la législation divine, dans les points dans lesquels elle contredit la législation divine, pardon, ne peut être suivie par celui qui croit en le fait que le véritable roi et le véritable législateur, c'est Allah Azzawajal. Donc le législateur, c'est Allah. Et Allah Azzawajal dit, dans plusieurs versets, il nous invite à, il nous exhorte à suivre sa législation à lui. Il nous dit, Afahukma al-jahiliyati yabghoun. Est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'il désire? Wa man ahsanu min Allahi hukma li qawmin yuqinun. Et y a-t-il un meilleur qu'Allah en jugement? C'est-à-dire à trancher, à décider les choses, à décider les règles. Dans un autre verset, Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mais non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te prennent comme arbitre dans ce qu'il y a comme dispute entre eux. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wa man lam yahkum bima anzal Allah, et celui qui ne juge pas par ce que Allah a révélé, il dit, Fa'ulaika humul kafirun, fa'ulaika humul zalimun, fa'ulaika humul fasiqun. Des mots que vous comprenez. Donc Allah, Azza wa Jal, le roi, nous rappelle à travers ce nom de roi qu'il est celui qui gouverne et celui qui légifère. Et qu'on va retourner vers lui. Il est le roi à la royauté absolue, dont la royauté n'est pas limitée. Et comme on l'a vu, on l'a évoqué déjà par rapport brièvement par rapport au nom d'Allah Al-Hayy, Allahu Ta'ala, il est celui dont les qualités, lorsqu'il nous les exprime, on doit bien avoir à l'esprit que même s'il utilise des mots que nous utilisons, nous, dans notre quotidien, qu'il utilise des mots forcément que nous comprenons, afin que nous puissions nous rapprocher de leur sens. Allah Ta'ala utilise des mots qui, dans notre langage, ont un sens limité pour décrire des qualités de lui qui sont infinies. Donc Allah Ta'ala nous précise ces noms dans des contextes différents afin que nous comprenions. Donc Allah Ta'ala, il est le roi dont la royauté n'est pas limitée, contrairement au roi de ce bas-monde. Donc il nous montre qu'il nous rappelle qu'il est différent de ses créatures, Maliki Yawmiddin, là où la royauté des rois du monde, du bas monde se termine avec leur mort ou avec le fait qu'ils sont déchus. Et Allahu Ta'ala, il est celui qui donne la royauté et qui l'arrache. Qulillahumma Malik al-Mulk dit, Oh Allah, détenteur de la royauté, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha.
tu donnes la royauté à qui tu veux et tu arraches la royauté de qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa bi yadika al-khayr. Et tu honores qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Bi yadika al-khayr. Le bien tout entier est entre tes mains. Innaka ala kulli shay'in qadir. Tu es capable de toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Allah nous rappelle non seulement que sa royauté n'est pas limitée, mais qu'elle est d'une nature même qui est différente. Car il est celui qui la détient, la royauté dans son ensemble, avec un grand R. Et il est celui qui donne la royauté et qui arrache la royauté. Donc la royauté dont nous parlons dans nos langages courants, c'est une royauté qui est petite. Mais Allah Ta'ala nous dit que lui, il est le roi différent des rois. Et il est le roi détenteur de la royauté de tous les rois. Et il est le roi qui arrache la royauté des rois et qui donne leur royauté aux rois. Allah, il est Al-Malik. Il est le roi. Subhanahu wa ta'ala, Al-Malik. Le seul et l'unique réel roi, subhanahu wa ta'ala, en dehors duquel il n'y a pas de vrai roi. Alors il nous dit, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Qu'il soit donc élevé Allah, le roi véritable, le seul vrai roi, tandis que tous les autres rois sont des rois au royaume illusoire, au royaume limité, au royaume, à la royauté dont ils craignent de la perdre. Les rois de ce bas monde ont des armées qui leur servent à maintenir l'ordre, mais aussi qui leur servent à maintenir leur royauté. Et ils craignent la perte de leur royauté, de leur autorité. Allah, lui, a des armées, mais il ne craint pas de perdre son autorité. Allah, lui, a des armées, non pour le protéger, c'est lui qui les protège. Allahu Akbar. Là où les rois de ce bas monde ont des armées pour les protéger, Allah a des armées que lui protège. Allahu Akbar. Il est le roi, subhanahu wa ta'ala, à la royauté bien plus grande, bien plus vaste, et d'un type de royauté qui est également différent, à la royauté différente. Allahu ta'ala nous rappelle qu'il est le roi aussi pour qu'on se tourne vers lui. Car il est le détenteur en tant que roi, il est le décisionnaire. Donc il est législateur, on l'a dit, il est détenteur et il est décisionnaire. C'est lui qui dirige. Donc c'est lui qui décide comment les choses se passent. C'est lui qui va juger entre ses créatures et c'est lui qui répond seul aux besoins de ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Et dans le Sahih d'Al-Bukhari ou Muslim, rahimahum Allah, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, yanzilu Allahu ta'ala ila sama'id dunya kulla layla. Allah descend au ciel du bas monde chaque nuit. Hina yamdi thuluthul layli al-awwal. Lorsque le premier tiers de la nuit passe. Fayaqul, et alors il dit, ana al-malik. Je suis le roi. Ana al-malik, et répète, je suis le roi. Man dhalladhi yad'uni fa astajib lahu. Quel est celui qui m'invoque afin que je lui réponde? Allah, il te demande au cœur de la nuit, je suis le roi. Où est celui qui m'invoque afin que je lui réponde? Subhanallah. Il est celui, en tant que roi, il est celui à qui nous devons adresser nos demandes et nos doléances. C'est à lui, subhanahu wa ta'ala, qu'on doit demander. C'est, tu es pauvre, tu veux la richesse, elle est auprès d'Allah. Tu te sens humilié, tu veux l'élévation, elle est auprès d'Allah, azza wa jal. Tu crains une créature et tu veux la protection, elle est auprès du roi, subhanahu wa ta'ala.
Tu veux une chose que tu ne possèdes pas, et il est le roi et le détenteur de toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Il est le roi qui possède ce qui existe et ce qui n'existe pas encore. Il est celui qui possède toute chose qui a existé dans le passé, qui existe maintenant et qu'il fait exister s'il le veut. Et qui, si elle existait, il la posséderait. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Allahu ta'ala est le roi absolu vers lequel il est important que nous nous tournions. Donc, mettre en application dans notre vie le fait qu'Allah est le roi, Al-Malik, c'est aussi se tourner vers lui afin de combler nos besoins, subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi yarji'u ou yurji'u al-amru kulluh. Et c'est à lui que toute affaire retourne. C'est lui le détenteur de toute affaire. Subhanahu wa ta'ala. Il est aussi celui qui détient ce que nul roi ne peut détenir. Les rois peuvent détenir la matière. Dans ce bas monde, les rois peuvent détenir une forme d'autorité. Mais s'il y a une chose qu'ils ne pourront jamais détenir, ce sont les cœurs. Allah, il est le roi sur chaque cœur. Il est celui qui détient les cœurs de ses serviteurs. Il est celui qui détient les cœurs des rois. Les cœurs des rois, ils sont détenus par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tabarani rahimahullah, il est dit que Allah ta'ala dit Ana malikul muluk. Je suis le détenteur des rois. Wa malikul muluk, et je suis le roi des rois. Quloubul muluki biyadi. Des rois sont dans ma main. Wa innal ibada idha ata'uni hawaltu quluba mulukihim alayhim. Et mes serviteurs, si ils m'obéissent, alors je retourne les cœurs de leur roi envers eux, bir-ra'fati war-rahma, avec la douceur et la miséricorde. Wa innal ibada idha asawni, et les serviteurs, s'ils me désobéissent, hawaltu qulubahum alayhim bis-sakhati wan-niqma. Et si jamais ils me désobéissent, donc je retourne les cœurs contre eux avec la colère et la vengeance. فَلَا تُشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ. Donc, n'occupez pas vos personnes par le fait d'invoquer contre les rois. وَدُعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ بِصَلَاحِكُمْ. Et car leur correction, correction se fait à travers votre correction, ou leur piété se fait à travers votre piété. Donc, mes frères et sœurs, le détenteur des cœurs des rois et de tous les cœurs, c'est Allah Azzawajal, le seul et l'unique. Subhanahu wa ta'ala. Et ça me rappelle un frère il y a quelques années, après le mois de Ramadan, il était venu me voir en me disant: Mon frère, j'ai un problème, je suis dans une relation avec une sœur qui est illicite. Ça fait. Et maintenant, voilà, ce Ramadan, je me suis repenti et je veux vraiment que les choses changent. Je veux pas que ça se répète. Mais je dis, ben, marie-toi. Il me dit, mais le problème, c'est que mes parents veulent pas nos deux familles sont au bled et mes parents refusent de demander sa main à sa famille. Et je l'ai appelé à Allah subhanahu wa ta'ala et je l'ai appelé à invoquer Allah azzawajal. En disant, oh Allah, dans le sens, hein, globalement, je ne me rappelle pas les mots exacts, mais c'est dans le sens de dire, oh Allah, je me soumets à toi. Et moi, je ne veux que t'obéir. Si tu m'as écrit cette femme pour moi, alors facilite-moi ton obéissance. Et permets-moi de me marier avec elle. Et sinon, dans tous les cas, je ne viendrai pas vers elle à travers le péché. C'est mon téléphone qui sonne comme ça? Ouais, c'est le tien. Ça le fait encore là.
Que je fais en mode sonnerie, en mode silencieux. Là, c'est bien. Non. Tu peux appeler Inès, s'il te plaît. Tu lui dis que je suis en live. Barakallah fik. Excusez-moi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est. J'en étais où, Malik? J'ai perdu le truc. Dès que le son il est parti, j'étais sur le son. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Donc, il me semble que j'étais en train de parler d'Allah. Il me semble que j'étais en train de parler ah oui, de ce frère. Donc, je l'ai invité à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de tout simplement que si il lui a écrit cette femme, ben, qu'il lui facilite, et sinon qu'il la retire de son cœur, mais que lui, il renonçait au péché et qu'il se soumettait à Allah. Et ce frère, il me vient me revoir dans la journée, je sais plus, c'était le Rasul Marib, et il me dit, Allahu Akbar. Je lui dis quoi? Il me dit, Subhanallah, aujourd'hui, sans me le dire, mes parents, ils sont partis voir la famille de la femme et ils l'ont demandé en mariage. Ils m'ont appelé et je viens de les avoir au téléphone. Et ça, c'est vrai. Il est le roi, celui qui détient les cœurs. Pendant des années, il a supplié ses parents. Il refusait. Et quand il s'est tourné vers Allah, en disant, Ya Allah, je me soumets à toi. C'est qui détient les cœurs de ses parents? Le vrai roi. Le roi des cœurs. Ses parents ont changé d'avis et ils sont partis demander la main de cette fille. Il y a aussi l'histoire qui est très connue de l'imam Shafi'i, rahimahullah, dont il est dit que l'imam Haroun al-Rashid s'était tellement mis en colère contre lui qu'il avait l'intention de le tuer. Et finalement, quand l'imam Shafi'i rahimahullah rentre auprès de Haroun al-Rashid, Haroun al-Rashid le fait asseoir à côté de lui sur le trône. Et il l'honore. Pourquoi? Parce que l'imam Shafi'i, il a invoqué le roi. Au-dessus des rois. Pourtant, Haroun al-Rashid, c'était le plus grand roi de la terre à cette époque. Il avait un royaume qui s'étendait de l'Andalousie aux limites de la Chine. Pas de l'Andalousie, de frontière du Maroc, aux limites de la Chine. Allahu Akbar. Donc, le roi, c'est Allah. Et les rois eux-mêmes sont conscients que leur royauté va disparaître. Ce même Haroun al-Rashid, au moment de sa mort, quand sa mort est arrivée, il sentait qu'elle était proche. Il a dit à ses hommes, creusez ma tombe. Et ensuite, il est parti à côté de sa tombe et il a dit, Subhana man la yazulu mulku, qad zala mulki. Gloire à celui dont la royauté ne disparaît pas, mon royaume, lui, a disparu. Ça y est, mon royaume en vient à disparaître. Et en effet, pas longtemps après, il est mort et il n'était plus roi. Et les anciens rois, ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans la terre décomposée. Tu mets un roi ou un pauvre dans la tombe, c'est les mêmes. Subhanallah. Et sous terre, il n'y a plus de roi. Mais Allahu Ta'ala, il est roi dans le ciel, roi sur la terre, roi sous terre, roi dans cette vie, roi dans l'au-delà. Il est le roi à la royauté absolue. Al-Malik. Alors, dans notre quotidien, c'est important qu'on se rappelle qu'il est celui qui décide, qu'il est le législateur, qu'il est celui vers lequel donc on doit se tourner dans toutes les situations et auxquelles on doit adresser nos demandes, et qu'il est celui en tant que roi qui va nous juger au jour de la résurrection. Et il est le seul, subhanahu wa ta'ala, à détenir tous les cœurs et nos cœurs aussi. Alors c'est à lui qu'on doit demander le raffermissement dans la foi. Et c'est à lui qu'il est important qu'on demande toutes les qualités qui sont les qualités du cœur. Et qu'on doit demander
qui nous guide vers le bien. Et c'est ce qu'on fait quand, après avoir dit Maliki Yawmiddin, on lui dit Yaka na'budu wa yaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Après avoir rappelé que c'était le roi. Et Allah Ta'ala, il a évoqué cette qualité de roi au tout début du Coran et il l'a évoqué à la fin. Maliki Yawmiddin, et après il nous dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Il est le roi des hommes. Il est celui dont le message s'adresse il vient de lui. Et il conclut le Coran avec la sourate An-Nas, en nous rappelant à qui s'adresse le message. Et Allah Ta'ala, il nous rappelle qu'il est le roi qui adresse le message. Et il nous rappelle, Malikin Nas, qu'il est le roi auquel les hommes vont retourner. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez un jour dans lequel vous retournerez tous vers Allah. C'est le dernier verset qui a été révélé du Coran. Et craignez un jour durant lequel tous vous serez ramenés à Allah Azza wa Jal, l'unique roi. Quand Allah Ta'ala mettra fin à ce monde, il est dit qu'il, Allah Ta'ala dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas attribué à Allah sa juste valeur. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et il fera de la terre tout entière une poignée le jour de la résurrection. وَالسَّمَاءُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et le ciel sera plié, les cieux seront pliés dans sa main droite. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va, dans le hadith, il est dit qu'il va mettre fin à ce bas monde, il va plier les cieux, faire de la terre une poignée, et ensuite il va dire « Anal Malik, Ayn al Muluk, je suis le roi, où sont les rois ?»« Anal Malik, Ayn al Muluk. » Et ensuite, il dira « Liman il Mulku lyoum, à qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Et Allah se répond à lui-même « Lillah il wahid il qahar » à Allah l'unique, le dominateur suprême. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être parmi ses humbles serviteurs. Et je vais écouter, inshallah ta'ala, vos questions si vous en avez. Barakallahu fik. Je vous invite à poser vos questions dans la boîte à questions si vous en avez. La boîte à questions, c'est le petit point d'interrogation en bas. Pour les personnes qui souhaitent revoir le replay, il sera disponible sur YouTube. Donc, je vous invite à aller rejoindre la page et vous retrouverez les anciens lives qu'on a fait. S'il n'y a pas de questions, ben, on pourra s'arrêter là. Sinon, vous pouvez la mettre dans les commentaires si vous souhaitez. Alors, il y a une question là qui dit, doit-on sortir la zakat si on a une dette à remettre à ses parents? Barakallahu fikoum. Ça veut dire quoi, une dette à remettre à ses parents? C'est-à-dire si on est endetté envers nos parents? En fait, c'est simple, pour le calcul de la zakat, déjà il faut voir est-ce que cette dette elle est à échéance, c'est-à-dire que elle doit être rendue là cette année, ou bien cette dette elle doit être remboursée plus tard. Si elle doit être remboursée cette année, cette dette, eh bien, il faut regarder. On la soustrait des biens qu'on possède. Si nos biens restent au-dessus du nisab, eh bien, à partir de là, on doit donner la zakat. Si, une fois qu'on a retiré la dette, on passe en dessous du nisab, on n'est pas concerné par l'ordre de la zakat. Et Allah Ta'ala, c'est mieux. Pouvez-vous nous donner les mérites d'apprendre les noms d'Allah? Non. Il y a le hadith, même s'il n'est pas authentique, il dit Allah a 99 noms. Celui man ahsaha dakhala al-jannah. Celui qui les maîtrise, celui qui les compte, rentrera au paradis. Ahsaha man ahsaha dakhala al-jannah. Donc, dans le fait de connaître les noms d'Allah et de vivre avec les noms d'Allah, Inch'Allah Ta'ala, il y a le paradis.
Et d'une manière générale, comme on l'a dit au début, la plus grande récompense dans le fait de connaître les noms d'Allah, c'est tout simplement de les connaître et de nous rapprocher de la connaissance d'Allah. Alors, quelle est la différence entre Malik de la Sourate Al-Fatiha et Malik de Sourate Al-Nas? Alors, Malik, alors Allah Azza wa Jalla nous dit Malik Yawmiddin, il est le roi du jour de la rétribution, et nous dit aussi Malik Yawmiddin. En fait, selon la lecture du Coran, selon la riwaya, soit c'est Malik, soit c'est Malik. Dans Sourate Al-Nas, c'est Malik. Donc, tout simplement, Allah nous dit, il est Maliki Yawmiddin, roi du jour de la rétribution. Et dans Salat Nas, il nous dit Maliki Nas, qu'il est le roi des hommes. Tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique sa possession et sa royauté sur des choses différentes, dans des contextes différents. Subhanahu wa ta'ala. Fik baraka. On s'arrête là, Younes? On s'arrête là, Inch'Allah. Barakallahu fik mon frère Malik, qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense tous pour votre présence à ce live. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Pour les personnes qui souhaiteraient regarder le live en replay, il sera disponible sur la page YouTube Muslim Actu. Je vous invite d'ailleurs à aller retrouver les deux derniers lives qu'on a fait sur la série des noms d'Allah. Et je vous invite à aller rejoindre la page de l'imam Younes. Il propose des cours qui sont gratuits pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc je vous invite à aller apprendre votre religion. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on fait. Assalamu alaikum.